Smith et Yassinia, où on dit t'attache. Parmi les forces entières, qui est une juge, qui est le travail acharné et qui le suit, c'est la persévérance. La juge, la boudre, Kbir, Hayati, l'effet de Ba'an Ossot. La devise est no pain, no gain. Il y a les SBA, au FTLA, j'ai peut les championnats du Maroc. J'ai le bac avec mention très bien. Je dis qu'un club est là, comme les autres étudiants. Ou le l'université Euromé de Fès, les bourses. La bourse, les l'université Euromé de Fès. C'est une source de motivation pour moi. Je suis à l'Alissa Euromé, ou dans le Karabaïa. Inch'Allah, pour le مستقبل, je voudrais être ingénieur entrepreneur. L'Union européenne appuie depuis 2016 un programme de croissance et compétitivité. À l'intérieur de ce programme, on appuie la politique boursière de l'Université Euroméditerranée de Fès, qui vise à rendre l'accès plus facile à des étudiants méritants qui n'ont pas nécessairement les moyens de payer leur inscription à l'université. La Banque européenne d'investissement et l'Union européenne nous ont appuyés dans ce sens-là. Et grâce à leur appui, on a mis en place plusieurs catégories de bourses. Les deux principales sont la bourse d'excellence et la bourse de mérite. La bourse d'excellence est octroyée aux étudiants avec le dossier académique le plus brillant, indépendamment de leurs revenus. Puis il y a la bourse de mérite, où là, c'est des critères croisés. Un très bon dossier académique, mais également des revenus familiaux modestes. Les cabinets de l'Université Euromède de Fès, où l'environnement multiculturel, et on travaille les dernières technologies. Je suis quand même content de vous donner l'Université Euromède de Fès, le DEM, l'État européen ou la Banque européenne d'investissement. Grâce à ces bourses offertes à nos étudiants, le marché de l'emploi marocain se verra alimenté en ressources et en jeunes qui sont hautement qualifiés et qui, par conséquent, auront des débouchés beaucoup plus importantes et verront leur employabilité augmenter. Il n'y a pas de démocratie sans égalité des chances et il n'y a pas d'égalité des chances sans accès à l'éducation. Dans ce contexte, les bourses sont un investissement important et sont un garant d'une mixité sociale qui permet d'encourager et de structurer. La conseil que je vais vous donner est de vous faire un peu de travail, de vous faire un peu de travail et de vous faire un peu de travail.